C'est une première finale élite à ce niveau, donc on a envie de marquer son territoire, si je peux me permettre. Et en plus, là, c'est deux boxeurs du même club, donc je pense que... La pression doit vraiment être très intense, effectivement. Exactement, exactement. Donc, nous avons deux boxeurs de gabarits différents. Ça part vite, hein. Là, ça part vite. Avec une jambe avant qui part enfouettée, enchâssée de la part de Medicada. Voilà, chassé médian pour repousser son adversaire. Medicada qui a une allonge supérieure, il est beaucoup plus grand. Il va falloir qu'il s'en serve. Ouh, un coup de pied bas de la part de Damien Moumouni, un coup qu'on voit très rarement. Damien Moumouni qui est très fougueux à l'entame de cette reprise. Il a 29 ans, il a été champion de France Elite B en 2011, vice-champion de France Elite A en 2012, vice-champion d'Europe de full contact en 2010. Et lui, il aime bien le chassé latéral bas jambe avant et aussi les fouettés médians piqués. Ouais, les piquets sont très efficaces, hein, avec la chaussure, la pointe de la chaussure au plexus. Ça peut littéralement plier un adversaire. Oui, oui, ça peut mettre fin au combat. Aisément. Aisément, exactement. Donc Medicada plus grand, hein, qui doit utiliser son allonge. Damien Moumouni un peu plus trapu. Donc il essaie de casser la distance. Ouais, pas mal le gauche-droite. Ouais, c'est bien tenté, il s'est bien protégé derrière, heureusement. On sent de la puissance, hein, chez Damien Moumouni. Ouais, c'est pas mal parce que derrière il désaxe, il tente une esquive. Attention à la précision. Oui, oui, c'est joli ça. Belle esquive de la part de Damien Moumouni. Il y avait beaucoup d'entrain, beaucoup de fougue de la part de Damien Moumouni. C'est un puncher. Face à lui, il a quelqu'un de plus long qui va tenter de garder la distance. Il ne va pas falloir qu'il se laisse déborder, Medicada. Ouais, Damien est vaillant. Il dit, voilà, il tente crânement sa chance. Il sait qu'il a un adversaire plus grand. Il est obligé de casser la distance, de faire le combat. Medic a du mal à gérer, hein, la distance, a du mal à repousser son adversaire. Oui, ça c'est très joli, hein, ce fouetté bas qui a déséquilibré Damien. Belle première reprise, hein, c'est parti vite. Hein. Ça part vite et on le sent légèrement débordé, Medicada. On va revoir un ralenti des plus belles actions. Vraiment, tu sers. T'as un petit peu en retard à la touche. Il n'y a pas grand chose. T'as un petit peu en retard à la touche parce qu'il touche un peu plus. Travaille sur serrer. Serre-le, Damien. Serre-le. Ouais, c'est ce qu'on demande à Damien, vraiment de serrer, de casser la distance. Tiens-le à distance. Quand il y a l'échange, c'est toi qui finis systématiquement. Tu as compris? Et ça marche bien quand tu mets tes points durs et que tu mets la jambe avant et recules sur tes points. Est-ce que tu as senti quand ça a durci, là, en milieu de reprise, c'est toi qui as l'avantage? Voilà. Sois confiant par rapport à ça. Et on travaille au corps à corps, il ne faut pas que tu restes passif. Hein. Il faut que tu sois actif et que tu cherches à durcir parce qu'il durcit. Hein. Il ne faut pas reculer. Soit tu es au centre, soit il recule. Mais il ne faut pas reculer. En patron, okay. Cette reprise? C'est la deuxième. Allez. Serein, on est serein dans le coin de Medicada, on lui demande. C'est un combat qui risque a priori de se jouer au physique. Ah oui, non, ça c'est clair, la dimension physique va être très importante, il va falloir accélérer, hein, chez Medicada. Coup coquille, comme dans le combat précédent. Donc pareil, l'arbitre va demander un avertissement. Pourquoi interdit? L'avertissement a été prononcé pour Medicada. Comment ça se traduit là, Amri? Ça veut dire qu'il va avoir du retard? Bah ouais, lorsqu'on a un avertissement, ça nous fait perdre des points, c'est très dur à rattraper. Il va falloir que Mehdi sorte les bouchées doubles là, sur cette reprise, hein, pour refaire son retard. Ouais, d'ailleurs, il est reparti. À pleine vitesse. Ah ouais, ça l'a requinqué. Attention. Attention, il s'est fait contrer durement.
C'est ce que disait Fati dans le coin. Faut durcir au point, au corps à corps. Ce que fait Damien. Il a de très beaux contres avec son bras gauche et son bras droit. Et Damien Mimouni, il peut faire mal. C'est un puncher en anglaise. Ça, c'était pas mal joué. Travail au corps, au point, sorti en jambe, avec un fouetté médian, jambe arrière, de la part de Medicada. Medicada qui s'est aussi accroché. Attention à bien gérer justement cette distance. Beaucoup de travail avec la jambe avant de la part de Medicada. Est-ce qu'il n'y a pas une dominance aussi en boxe anglaise du côté de Damien Mimouni? Il se sent plus efficace à mon avis au point, donc il sait que... Ouh là 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 là. Attention, ce travail au corps à corps a été vraiment dur pour Medicada. Je pense qu'il a pris deux crochets qui l'ont ébranlé, mais il est là, il reste là. C'est pour ça que Damien utilise plus ses points, je sens qu'il, enfin voilà, il se sait efficace au point. La sortie, elle est pour Mehdi, mais tout de suite. Très beau combat, vraiment un combat intense. Ouais, vraiment un combat de titans, de guerriers. On lâche rien des deux côtés. Un gros duel physique. Et il varie bien les zones en boxe anglaise. Damien Mimouni, tantôt au corps, tantôt à la face. Mehdi qui accepte la guerre. Oui, justement, est-ce qu'il ne faut pas adopter une autre stratégie, à savoir garder la distance, peut-être être plus mobile? Je pense que c'est pas forcément facile. Non, c'est clair. Après, je pense que c'est la stratégie à adopter, plus de mobilité. On lui a dit dans son coin précédemment, quand il doit tenir à distance, il tient à distance, mais si ça se rapproche, il faut durcir. Et là, Mehdi reste au corps à corps, accepte la bagarre. Très bel échange là. Le dernier mot a été pour Medicada sur cet échange. C'est bien ce que tu fais Damien. C'est comme ça que tu vas gagner sans plus 6 ans. Mehdi est très éprouvé. Tu commences à prendre le dessus en point. Et c'est chez lui que tu étais. Fais attention avec ses jambes. Il est en train de te chasser avec ses jambes. Jusqu'au bout comme ça, on lâche pas la terre. C'est un combat de bonhomme, alors tu lui montres que c'est bonhomme. Ok? Ok? Jusqu'au bout. Là, ça va se passer maintenant. D'accord? La différence, ça va se passer maintenant sur la troisième. Alterne les séquences où tu mets tes chassés et des séquences où c'est la guerre. Ouais, exactement, on lui dit dans son coin. Hein. Là, le tournant, c'est pour maintenant, faut y aller. Hein. Si Mehdi veut prendre l'avantage, c'est maintenant. Damien Mimouni tente crânement sa chance, vraiment. Il accule son adversaire. Pas assez de liaison, hein, quand même, pour Damien Mimouni. C'est le début de la troisième reprise. Ouf, très joli fouetté jambe arrière. Il aurait pu faire mouche, heureusement que Damien Mimouni avait les mains levées pour se protéger. Alors on sent que Mehdi veut accélérer. Voilà. Beau travail avec sa jambe avant. Oui, c'est bien. Hein. Travail au point, sortie en jambe, encore une fois. C'est ce qui manque à Damien, vraiment. Les sorties en jambe à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a, il a un peu trop cette boxe anglaise qui est dominante. Exactement. C'est plus varié. C'est vrai. C'est plus varié chez Medicada. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal ce fouetté médian. Très belle sortie. Voilà, joli fouetté visage de la part de Damien Mimouni. On sent que les boxeurs ont du mal, hein. Physiquement ça commence à être dur pour eux. Ah, ils accusent le coup, c'est normal, ils sont partis à 200 à l'heure. Oui, très joli piqué, jambe avant. On a quand même une boxe plus riche du côté de Medicada. C'est plus varié, il y a plus d'enchaînement, pied-point, point-pied. Ouf. Très joli fouetté jambe arrière. Une superbe combinaison en boxe anglaise juste derrière. Exactement. Medicada qui semble reprendre un peu le dessus. Ouais, il a bien réagi là dans cette troisième reprise. Très beau débordement pour passer derrière son adversaire, mettre sa jambe en sortie. Ouais, il s'est vraiment transcendé sur cette reprise. Je pense que Damien va être averti pour boxe tête en avant.
L'avertissement a été prononcé. Donc un bel avantage là pour Medicada dans cette troisième reprise. Attention à la distance. Oh là là. L'arbitre hein, qui n'est pas très psychologue. Hein. Eh bien, c'est une distribution d'avertissement. Exactement. L'avertissement, le deuxième avertissement pour Medicada a été prononcé. Donc ça rééquilibre un petit peu dans cette reprise. Mais je pense que Media prend cette reprise pour l'instant. Une belle réaction vraiment de la part de Media. Moi, on le pensait un petit peu éprouvé. Très beau chassé figure. Et là, il a vraiment une belle réaction. Ouais, très belle reprise de la part quelle de reprise de ouais. Quelle reprise Medicada qui a vraiment été très performant, très efficace. Une belle démonstration de boxe. Très joli foot et figure Jean Barrière. Ah voilà, vous voyez, ça manque de sortie en jambe hein, pour Damien Mimouni. T'es fatigué, t'es fatigué. Il faut travailler, Damien. Il faut travailler comme t'as boxé au deuxième round. Là, t'as fait un round de récup, ok. C'était dur. Il y a deux avertissements. Pousse à la faute. Il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu le pousses à la faute. L'arbitre, il dit distance. Tu fais ton pas de retrait quand il dit aller. Donc, je rappelle, hein, au bout de trois avertissements, c'est la disqualification. Donc là, c'est pour ça que dans le coin de Damien Mimouni, on demande de pousser à la faute son adversaire. Fini avec la jambe avant. Arrière dans la bouche, elle passe. Hein. Tu l'as mis tout à l'heure. Hein. Faut retenter, hein. Faut chercher à mettre en danger. Hein. T'as toutes les armes pour ça. Fatih Mira, c'était votre entraîneur à l'INSEP. Oui, exactement. Ainsi que Jérôme Huon. À l'époque, à l'INSEP, c'était mes entraîneurs. Aujourd'hui, ils ont déménagé au Krebs de Châtenay-Malabry. Ils ont beaucoup de boxeurs hein, ce soir. Hein. Les pôles France, que ce soit Toulouse et Paris, ont réussi une très très belle saison. Ils présentent un tireur pratiquement dans toutes les catégories. Si ce n'est pas deux. Waouh, très joli fauté. Jean Barrière de la part de Medicada. On le sent, on le sent beaucoup plus explosif hein, que son adversaire. Ah oui, il s'est fait beaucoup plus virulent depuis le troisième round. Il a commencé à prendre la mesure de son adversaire. Il le tient bien à distance en chassé. Et Damien Mimouni qui semble commencer à douter, qu'il ne trouve plus les solutions. Petit pas de retrait. Remise en fauteuil médian. C'est très beau hein, de la part de Medicada. Damien Mimouni qui accuse de coups physiquement, j'ai l'impression. C'est ça. Ça va vraiment jouer au physique là maintenant. C'est celui... qui aura sûrement la meilleure condition, qui va finir par s'imposer, parce que la condition physique déteint sur la technique et sur le mental, forcément. Exactement, exactement. Tout est interdépendant. Et là, a priori, Medicada est en train de gérer ce combat. Il est beaucoup plus précis, beaucoup plus fluide. Petit chassé bas. Voilà, pour maintenir à distance. Chassé figure pour maintenir à distance toujours. Beaucoup plus mobile. Là, vraiment, il a pris la mesure de son adversaire et boxe comme il faut. Et finalement, il ne fallait que laisser passer la tempête durant les deux premiers rounds. Ouais, et puis maintenant, il commence à s'installer tranquillement. Exactement. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir prendre la mesure de son adversaire. C'est ce qu'on appelle construire son combat. Et là, Mehdi, vraiment, le fait très bien. Depuis la troisième reprise, on sent qu'il a pris un ascendant psychologique. Ah, ça distribue, ça part vite. Ouf, attention à ne pas tourner le dos. Attention à la précision. Ouf. Ah non, c'est la fin de la reprise. Ah, c'est la fin de la reprise. On a pensé... Non. Justement, j'ai pas compris. Je pensais que l'arbitre voulait demander un troisième avertissement. Mais non, il a entendu la sonnerie, mais ça a passé. On a eu peur. Ouais, on a eu peur. On n'a pas trop compris. Voilà. Fin de la quatrième reprise. Pourtant, on entend bien, j'ai l'impression. Mais l'arbitre Max Malka ne l'a pas entendu. Il faut que tu fasses un truc monstrueux à la fin. Tu recules pas. C'est celui qui recule qui a perdu. C'est dur, hein. C'est dur pour Damien Mimouni. Hein. Celle-là, c'est deux minutes à fond.
ça a dégueulé dans la bassine. C'est monstrueux, c'est la finale, là. T'as deux minutes à faire, gros. Reprise décisive. Elle est décisive, là. C'est dur pour Damien. Il faut relever la tête, là. Allez, allez, allez. Reste en point, sans remplir derrière. Il faut que tu montes la jambe arrière. Monte la tête avec le de l'armée pour pas que ça fasse un genou. Tu mets une jambe d'abord, une jambe. Voilà. Tu mets une jambe, tu rentres en point derrière. Et tu peux mettre la gauche toute seule. Ah, ça va jouer à l'orgueil, cette dernière reprise. On sent de la sérénité hein, dans le coin de Medicada. Hein. Jérôme Lyon qui n'hésite pas à donner des informations assez précises hein, à son boxeur. Il le sent capable de faire la différence et lui demande des choses bien précises. Et c'est parti. C'est infractionné de la part des deux boxeurs. C'est la dernière reprise. On met tout ce qu'on a. La fatigue est là, un manque de lucidité hein, chez Damien Mimouni. Belle droite hein, de la part de Medicada. Il est toujours aussi précis, Medicada. C'est sûrement ce qui va faire la différence. Ouais. Toujours une sortie en jambe pour Medicada, c'est bien. C'est vraiment bien. Regardez, toujours une sortie en jambe à chaque fois. Point, pied, point, pied. Il y a plus de fraîcheur du côté de Medicada. Et Damien Mimouni qui se jette dans la bataille. Ouais, très joli. Vraiment, c'est vrai. Medicada finit très très bien ce combat. Travail en liaison, c'est ce qu'on demande aux boxeurs, hein, vraiment, de travailler en liaison, pied, point, point, pied. Voilà, toujours. Là, magnifique combinaison proposée par Medicada. Percute au corps, suivi d'un fouetté médian, jambe arrière, qui claque. Et Damien qui donne tout, hein, mais malheureusement, il ne touche pas en jambe. C'était pas mal contré en boxe anglaise de la part de Damien Mimouni. Il peut encore faire mal, il peut encore bousculer Medicada. C'est vraiment une très belle finale. Hein. Les deux boxeurs donnent tout ce qu'ils ont. Ah, c'est vraiment joli. Ouais, c'est joli. Après ce fouetté médian, une esquive par la droite, il remise encore un fouetté médian. Décidément, c'est un festival de technicité que nous propose Medicada sur cette dernière reprise. Vraiment une très belle finale, une grosse débauche d'énergie hein, de la part des deux boxeurs. On donne tout, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce que le public aime. Oui. Bravo. C'est la fin. Bravo à ces deux boxeurs qui nous ont proposé vraiment un très beau combat. Le public a vibré au rythme du combat. C'était vraiment très disputé entre Medicada et Damien Mimouni. Medicada qui a pris l'ascendant à partir de la troisième reprise. Et Damien Mimouni qui a quand même proposé une belle boxe en anglaise. Une belle opposition. Mais petit à petit, malheureusement, physiquement, ça n'a pas suivi pendant le combat. Une trajectoire différente hein, dans le combat. Medicada qui est parti mollement, mais bon, qui a su réagir à la troisième reprise pour vraiment faire la différence. Pendant les trois dernières reprises. On va voir si les juges sont d'accord avec nous. Et oui, voilà. Et c'est Medicada, le nouveau champion de France 2013. Une victoire amplement méritée. Beaucoup de fair play entre les deux boxeurs qui se connaissent très bien. Ici du même club, on rappelle. Ouais, c'est d'autant plus difficile hein, de boxer quelqu'un que l'on connaît bien.